Comment tout cela a pu arriver? Vous vous posez la question. Un poison s'est infiltré dans tous les rouages de notre société. L'éducation, la culture, les médias. Ce poison est sans visage. Mais ce poison a un nom. Il s'appelle l'idéologie du genre. Ce poison nous fait croire qu'être un homme et une femme, ça n'a plus de sens. Ce poison interdit aux petites filles de jouer aux poupées, aux petits garçons de jouer aux voitures, même contre leur gré. Ce poison fait croire à nos jeunes qu'être un garçon ou une fille n'a plus de sens et les encourage à tenter toutes les expériences sexuelles pour qu'ils décident qui ils seront demain. Monsieur le Président, nous ne voulons pas de votre réforme de civilisation qui détruit la dignité de la femme et de l'homme. Nous, les femmes, nous ne voulons pas louer nos ventres pour porter les enfants des autres. Nous, les femmes, nous sommes fières d'être femmes et mères. Nous sommes fières de dire encore aujourd'hui que le mariage, c'est l'union d'un homme et d'une femme. Nous sommes fiers de dire aujourd'hui oui au mariage d'un homme et d'une femme. Oui à la vie de nos enfants. Oui à notre civilisation quand elle respecte la dignité de chacun de nous. Vive les femmes, vive les mères!